Accompagner la réussite de ses collaborateurs en tant que manager, c'est s'investir pleinement dans sa mission de manager, dans sa dimension relationnelle et dans sa dimension de coordination des activités individuelles. Alors, paradoxalement, les managers qui s'intéressent à travailler cet aspect de leurs compétences managériales sont ceux qui ont le mieux repéré les différents enjeux de la mission d'un manager. Ce sont ceux qui ont compris que dans cette thématique, il y a des axes de progrès permanents. Et ce sont ceux qui ont compris finalement qu'accompagner la réussite de ses collaborateurs, c'est également œuvrer à leur propre réussite personnelle en tant que manager finalement. Donc accompagner la réussite de ses collaborateurs, c'est à la fois se positionner auprès de ses collaborateurs avec des techniques de management. Pourquoi ? Pour provoquer en fonction des individus des comportements motivés. C'est également se positionner auprès de ses collaborateurs avec des outils de gestion pour, en tant que manager, participer pleinement à la mise en œuvre des politiques de gestion des personnes et inclure ses collaborateurs dans ces politiques. Et c'est finalement également se positionner de toute sa personne, j'allais dire de toute sa présence, sur le terrain pour montrer à ses collaborateurs son niveau d'engagement, et cela au-delà des registres d'amabilité, de gentillesse et de politesse. Il s'agit de montrer son engagement en continu et le plus authentiquement possible.